Oui, la dernière vidéo sur ce film remonte à quoi? Une semaine, 2 semaines, et on a déjà envie de réagir à une nouvelle bande-annonce? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'appât du gain, la YouTube monnaie, la monétisation, le flux de vidéos, vous avez des vidéos une fois par jour, tous les jours, depuis 2 mois, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Il faut du contenu! Alors oui, on y réagit, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Surizade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons réagir à la nouvelle bande-annonce du film Snake Eyes G.I. Joe Origins, qui sort le 18 août 2021 au cinéma et qui est un film d'arts martiaux avec Henry Golding, Samara Weaving et Ursula Corbero qui joue bien évidemment Tokyo dans La Casa de Papel. Et oui, j'ai confirmé, je confirme, c'est bien elle. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. C'est juste qu'elle n'était pas apparue dans la dernière bande-annonce, mais là peut-être qu'on va voir. Hein. Et non, depuis la dernière fois, je n'ai vu aucun film G.I. Joe, donc voilà, je nage encore à l'aveugle. Snake Eyes, un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très ancien clan japonais des Arashikage, après avoir sauvé la vie de leur héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier tout en lui offrant ce dont il rêvait depuis longtemps, un foyer. Mais certains secrets de son passé refont surface et Snake Eyes, s'il veut garder la confiance de ceux qui sont désormais ses proches, va devoir mettre à l'épreuve son honneur et sa fidélité au clan. Hé, ma caméra, youhou, pourquoi est-ce que tu fais? Fais ta mise au point sur mon visage, youhou. Oh là là, des défauts à cause de la lumière là, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des nuages partout, je peux rien y faire moi. Si, je pourrais installer une lumière ici, mais j'ai pas place dans mon 9 mètres carrés, hein. Et puis j'ai pas assez d'argent. Eh oui. Eh. C'est ça être étudiant. Bon allez, on va réagir à ça tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne. Réaction. C'est vrai, qu'est-ce que t'avais pensé de la première bande-annonce déjà? Food. Oui, ça nous mettait pas du tout en confiance tous les deux. On pensait plus à Shang-Chi. Il y avait des plans dans la dernière bande-annonce qui étaient assez beaux et qui étaient mieux que Shang-Chi. Mais Shang-Chi est beaucoup plus attirant que Snake Eyes. Transition souris. Transition souris. Transition souris. Yes. Snake Eyes. Ah non, c'est Snake Eyes, hein. Comme quoi, j'avais mon bon anglais. Ça a l'air bien tourné sur fond vert, ça, hein. Il y a juste la route fabriquée, quoi, en studio. Oh, le sens de l'honneur. Ouais, on tire sur les voitures, quoi. J'ai une dette de sang envers toi. Depuis 600 ans, notre clan maintient la paix au Japon, aux côtés de nos alliés. Ah, c'est Black Widow? Les Joe. Oh, à peu près, ouais. J'ai besoin de guerriers comme toi pour lutter contre Cobra. C'est quoi, Cobra? La plus grande organisation terroriste au monde. Ah, c'est con, ça. Désolé, c'est pas mon combat. Alors pourquoi t'es ici? Bah oui, il y a certains plans beaux, mais il y a certains qui sont... Je me fais appeler Snake Eyes. Parce que je n'ai jamais eu de chance. Je ne peux pas te donner un nom, ni un... Quel rapport? Mais je peux entre ne pas avoir de chance et s'appeler Snake Eyes. Un sens à ta vie. Ouh, ouh, très beau, joli costume, là, en bleu, mais bon... Que je mettrai ce plan en danger. Ah, c'est une pierre de réalité. Ah, mais oui, c'était Tokyo, oui, j'avais pas vu. Ah. Tu l'as pas vu venir celui-là. Ouais. Ouf, il est baraqué. Ah non. Snake Eyes. Au cinéma, le 18 août. Yes, la voix de femme bande-annonce qui dit « Au cinéma, le 18 août ». Putain, ça manque tellement ça dans les bandes-annonces. Il le faut tout le temps. Plus un point sur la bande-annonce, du coup. Ah, non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, quoi? Alors, il y a Tokyo, qui est une motarde, méchante. Il y a une sosie de Black Widow. Voilà, désolé. Sosie de Black Widow, sosie de Shang-Chi, c'est Marvel Eco Plus. Et en plus, là, il y a un plan qui regroupe toute la team qui est sur le point de se battre face aux méchants. C'est Avengers Eco Plus. Mais waouh!
waouh, c'est Marvel Eco Plus. Même si il y a quand même de très beaux plans, il y a quand même de très belles chorégraphies. On verra si ça tient tout le film, sans prise de tête bien entendu, hein. Espérons que ce soit pas si débile que ça. Enfin, G.I. Joe, bien sûr, ça a toujours été débile. Enfin, je sais pas si ça a toujours été débile, mais je suis pas sûr que ce soit si sérieux que ça, G.I. Joe. Mais voilà, je sais pas. On dirait que le casting manque de charisme, hein. Enfin, surtout le personnage principal, quoi. Hein. Donc du coup, ben, je sais pas quoi en penser de cette bande-annonce. Je ne suis toujours pas attiré par le film. Petit détail comparé à la première bande-annonce, je n'avais absolument pas envie de le voir. Là, oui, j'irai le voir, juste pour la déconne, en vrai. Hein. Il va falloir que je me rattrape très sérieusement les films G.I. Joe avant, parce que le film Snake Eyes, voilà, il faut que je sache un minimum de cet univers. Peut-être qu'il y aura des personnages cachés, peut-être qu'il mentionne certains personnages du film dans les autres films G.I. Joe, j'en sais rien du tout. Non, ben, je sais pas, on va voir ce que ça donne, mais bon, ça a pas l'air ouf. Donc voilà, pas trop attiré par cette bande-annonce, mais elle a quand même réussi à me donner envie d'aller au cinéma, de me déplacer pour aller le voir. Ce qui est un pas en plus par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z. Coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que t'en penses de cette bande-annonce ? Food. Ouais, en fait, on est là juste pour Tokyo, en fait. Hein. Je suis sûr qu'il y a des fans de G.I. Joe qui vont vouloir aller voir le film. Je suis sûr qu'il y a de la communauté pour G.I. Joe. Je suis sûr que Snake Eyes a des fans. Moi, personnellement, je suis désolé. Je suis pas fan de l'univers. Je vais le voir juste parce qu'il y a Tokyo dans le film. Bah quoi ? Bah oui, non mais il faut dire les choses à un moment donné. Hein. Désolé. Hein.